Oui, je vous fais encore un haul sur AliExpress. Et oui, encore. Parce que moi, j'adore AliExpress, franchement. Même si ça dure longtemps, les frais de livraison, moi, j'adore. Franchement, j'adore, j'ai rien à dire. Même si des fois, il y a des petits défauts, comme vous allez voir prochainement, là. Alors, j'ai reçu mon colis dans un petit carton comme ça. Voilà. Tous mes bijoux étaient à l'intérieur de ce truc-là. Ben, ce truc-là, c'est des trucs à bulles là où on fout. Voilà, c'était dedans. Et dans chaque bijou, vous voyez, ça c'est un plastique pour les colliers. Et sinon, le truc c'est comme ça, c'est vraiment. Moi, je sais que je garde ça comme ça, je mets deux, trois petits trucs dedans. Des fois, quand c'est cassé, je répare. Voilà, tant qu'à faire. Donc voilà. Donc tout d'abord, je parle pas d'AliExpress. J'ai acheté ce collier là. Voilà, comme ça. Je l'ai acheté à Modéléco. Si ceux qui vont faire les magasins vers Auchan au Mans, c'est derrière, juste à côté du méga CGR, mon déco, voilà. Moi, je trouvais super mignon. Je trouvais original surtout aussi. Voilà. Mais j'ai jamais mis encore. Parce que. Même. Oh, peut-être qu'avec ce haut-là, ça fait bien, je ne sais pas. Franchement, il était original. J'aime beaucoup. Ça change. Voilà. Et ce collier-là, je l'ai eu en promotion. Je l'ai eu à 3 euros. J'ai même pas regardé quel prix il était avant qu'il soit en promo. Voilà. Moi, des décos, 3 euros. Voilà. Bon, ensuite, je vous fais voir tout ce que j'ai acheté sur AliExpress. Pas comment je l'ai reçu aujourd'hui, ce matin. Mais ça faisait. Non, je n'ai même pas reçu en un mois comme l'autre. Voilà. 3 semaines. Je sais pas. Mais j'ai attendu longtemps. Mais bon. C'est pas grave. Bon, comme d'habitude, je vous mets les prix. À côté, ici ou là, ou je ne sais pas, je verrai bien les prix de tout ce que je vous achète, tout ce que j'achète, pardon. Donc voilà, on commence par les boucles d'oreilles. Donc j'ai acheté celle-là. Moi, j'adore ce style-là en bijoux. Voilà, c'est en or. Ça, c'est souple quand même. Les attaches, c'est comme ça, en or aussi. C'est pas en plastique. Je vais en avoir en plastique. Mais franchement, je préfère les trucs comme ça. Voilà. Mais bon, maintenant, les trucs en plastique, ça se fait de plus en plus. Donc voilà, c'est une sorte de. Mince, pardon. Comment je vais appeler ça, moi? Bon, je sais pas comment appeler ça, d'ailleurs. Bon, c'est en or, c'est plein de motifs. Voilà. Moi, j'adore ces trucs-là. Surtout en or. Vous savez que moi, j'aime bien l'or en bijoux fantasy. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci. Je sais pas si la caméra vous rend comme moi je les vois. Franchement, c'est un beau rose qui flash. Voilà. J'ai des diamants blancs. Et sinon, c'est rose. Voilà. L'attache. Comme ceci. Avec un truc en plastique, comme je vous dis. Voilà. La deuxième. Moi, j'aime bien. Franchement, ça fait bien. En soirée. Une belle coiffure. Ensuite, j'ai celle-ci. Encore du rose. Je sais pas ce que j'ai eu là. Plein de trucs roses. Ça ressemble presque à la même chose qu'avant. J'avais un diamant ici. Des diamants blancs. Et du rose. Celle-là, c'est en argent derrière. Ça se présente comme ça, l'attache. C'est une boucle d'oreille normale, comme ça. Qui tient à l'autre. Voilà. Par contre, à l'autre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà comment vous la mettez. Vous la mettez comme ça. Bon, c'est pas très grave, franchement, parce que moi je sais comment détacher et remettre comme il faut. Je les remettrai l'autre sens. Vous voyez, c'est pas de la bonne. Voilà, tant pis. Moi ça me dérange pas, je sais que je vais remettre. Voilà. Ensuite, celle-ci. Ah, j'adore, franchement. J'ai pas de boucle d'oreille blanche comme ça. Ça change. Voilà. Plein de boules blanches. Et des petits diamants ici autour. Voilà. Derrière, c'est or, encore. Une attache en plastique. Voilà, est-ce que on va bien voir? Ouais, c'est bon. Je suis désolée si je regarde de ce côté-là, parce que j'ai trois miroirs et j'essaie de voir ce qu'il y a derrière mon appareil photo. C'est pas évident. Voilà. Par contre, sur la deuxième, j'ai vu que tout en dessous, là, vous voyez, il y a un petit truc qui dépasse. Un petit morceau de plastique qui n'est pas encore bien coupé. Mais je lis mais ça, puis on va plus voir. On va plus voir. Ensuite, ah, celle-là, je kiffe.
Voilà, c'est des diamants bleus. Je sais pas comment ça s'appelle. Pardon. Comment on appelle ça? Je crois que ça s'appelle bleu émeraude. Je sais pas trop. Voilà, au-dessus, vous avez des fleurs en or avec un petit diamant au milieu. Voilà. Voilà. Elles sont super belles. Je sais pas si le bleu, ça me va vraiment. Je pense que ouais. Avec une belle robe et un beau maquillage. Par contre, sur celle-ci, j'ai vu que la finition en dessous n'était pas top. Je vous fais voir comment. Voilà. Il manque un peu de matière en or là. Ici. Mais bon, pour le prix, franchement, j'ai pas. Y a rien à dire pour le prix là. Ensuite, celle-ci, ça ressemble un peu à la première chose que je vous ai fait voir. Sauf qu'il y a du bleu. Voilà. J'aime bien tout ce qui est comme ça. Ça fait, je sais pas comment dire, ça fait pas. Comment dire? Marocain, ouais, voilà. Moi, je trouve que ça fait marocain, les trucs comme ça, là. Surtout comme la première que je vous ai montré, celle-là. Je trouve que ça fait marocain. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Pour ma part, je trouve que c'est marocain. Mais après, chacun pense ce qu'il veut. Ouais, des petits diamants bleu foncé, bleu clair et un peu entre les deux ici. Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, alors je passe au bracelet maintenant. J'ai plus d'oreilles. Enfin, non, les noms. Quelqu'un veut m'embrasser. Alors ensuite, ce bracelet-là, avec des petites perles. Il y a un petit dé ici. Un dé alphabet. Hein. Une petite fleur. Un petit cœur. Un petit cœur avec des petites. Du rose pastel à l'intérieur. Et à côté, il y a un petit cœur. Est-ce que vous pouvez le voir? Petit cœur avec des strass. Voilà. Mais simple, des petites boules. Comme un chapelet, en fait. Voilà. Alors ensuite, j'ai que des. Ah non, j'ai celui-là. Voilà, c'est un bracelet des boules roses. Avec en dessous, vous avez un éléphant. Encore un éléphant. Comme après cette vidéo. La précédente vidéo, j'avais un collier éléphant. Avec un diamant, un petit strass et une petite boule en perles. Je vais voir comment ça fait. Voilà. Vous pouvez mettre soit comme ça en dessous. Peu importe. Chacun ses goûts. J'ai acheté aussi en blanc. C'est la même chose, mais en blanc. Ensuite, j'ai pris des ensembles. Là, je vous mets ça tout de suite. Hop. Voilà. Non, ça, c'est pas avec. Hop. Et voilà. Tout cet ensemble-là. Voilà. C'est du doré, du un peu beige, des boules blanches, boules dorées. Un petit torsadé. Vous avez. Attends, je vais t'enlever pour voir. Attends. Vous avez celui-là. Voilà, plein de petits trucs. Il y a une boule, des sortes de pièces. Voilà. Je trouve ça joli. Moi, ces couleurs-là, j'adore, de toute façon. Il n'y a pas à dire. Voilà, sur celui-là, il y a des petits dessins de fleurs. Voilà, doré. La beige et des petits trucs. Ensuite, j'ai ce lot-là. En rose et beige. Donc là, il y a deux petits bracelets en boule. Celui-là, il est normal. Voilà. Celui-ci, il y a un petit nœud. Et c'est un bracelet avec des trous, mais qu'ils ont mis un petit ruban au milieu. Rose. Ensuite, j'ai un bracelet normal, mais ils ont mis du ruban par-dessus. Et celui-ci, avec des sortes de petites pièces, comme ça. Oh là, je ne mets pas en face, comme ça. Mais j'ai perdu un petit truc dessus. Voilà. Mais je pense que j'ai encore la petite anneau là. Donc je vais le remettre. Je vais remettre tout ça. Et moi, il n'y a pas de souci. Je sais comment faire. Voilà. Tous ces petits ensembles. Je trouve ça joli. Ensuite, encore un ensemble de bracelets. J'ai pris que des ensembles en bracelet presque. Hein. Ah, s'il veut bien se mettre. Voilà. Ah, j'ai oublié ton passé. Hein. Voilà.
c'est celui-là. Attendez, je remets ça tout bien. Non. Pas comme je voulais, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un ensemble de noir, noir, blanc et or. Voilà, sur celui-là, vous avez plein de couleurs. Et du noir, à moitié du mauve gris, des boules non blanches, des boules transparentes gris. Et autour ici, là, c'est des petits anneaux comme ça, qui tenaient mes petits objets pendants. Voilà, après, c'est des petites perles simples. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai pris un lot encore, mais de bleu. Je trouve hyper joli pour l'été, ça fera sympa. Mais bon, l'été, on est le 1er octobre aujourd'hui, donc on n'est plus en été, nous sommes en automne. Mais il y a encore des beaux jours, il y a encore du soleil aujourd'hui, donc ça va. Donc ici, on a un bracelet gros boule bleue, un bracelet en boule or, boule blanche, des petits diamants sur celui-là. Ici, celui-là, j'aime bien beaucoup. C'est des petites roses bleues avec des petites perles orange au milieu. Orange, or, pardon. Voilà. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Super bien. Avec un bon bronzage. Que j'ai perdu le mien d'ailleurs. Où je retourne au Portugal pour bronzer. Ensuite, je passe au collier. Alors, ensuite, j'ai ce collier-là. Ah, oh, celui-là, ça faisait longtemps que j'en voulais, hein, franchement. Mais, bah alors. Mais ça, je voulais pas en fait, la petite chaîne. Parce que je trouvais, même sans chaîne, ça faisait joli. Attendez. Voilà. Hyper sympa, mais avec la chaîne derrière. Enfin, moi, je pense que je l'attachais, certes. Mais on voit pas en fait derrière. Je vais pas me retourner parce que je pense pas qu'on... Oh, voilà, donc si vous voyez sa pendouille. Est-ce que vous voyez au moins? Oui, sûrement. Voilà, sa pendouille. Donc moi, même si on l'a accroché comme ça, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'en attendais un depuis longtemps. Donc voilà pour celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Voilà, des petites dents ici. Avec des strass et des dessins ici. Il est en or. Mais par contre, j'arrive pas à ouvrir le petit crochet là. Ici. Je vais essayer d'en mettre un autre. Bon, ça me fait un peu chier quand même. Bon. Sinon, il se met, je pense, qu'un peu ras du cou. Voilà, à peu près ici ou ici. On fait comme on veut, en fait, on peut le resserrer ou desserrer. Voilà. Voilà, il est très joli, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, c'est avec celui-là que j'ai eu plus le problème. Vous voyez déjà. Voilà. Je l'ai mis tout à l'heure, mais il s'est détaché. Et j'ai peur de tout casser si je force. Voilà, je l'ai mis. Mais bon. Il me manque un diamant. Ici. Voilà, mais sinon, il est hyper joli. Je vais essayer. Mais là, je sais pas ouvrir les trucs ou quoi. Moi. Voilà. On peut porter soit tout en bas. Voilà, ou soit un peu plus haut. Comme vous le sentez. Voilà. Très joli, mais il manque un diamant, je vais le recoller, ça c'est pas grave. Mais par contre j'ai un peu plus peur pour ça là, pour ce côté là, parce qu'en fait j'ai l'impression que ça et le truc il est plus loin que celui-là. Enfin bref, si vous me comprenez pas, je me comprends. Mais bon, je vais essayer de resserrer tout ça, mais on va faire attention. Voilà. Ensuite. Ah voilà. Celui-ci, attendez, voilà, I do love makeup, je crois que ça s'appelle, le bisou, je sais pas si on dit love ou on dit I do makeup, on sait rien, je suis nulle en anglais, voilà, c'est écrit avec des strass, un petit, une petite bouche, avec un rouge à lèvres en dessous, je trouvais hyper sympa, donc voilà, il se porte un court, voilà, ici. Voilà. Ensuite, on passe un peu en argent parce que j'ai que de l'or là en ce moment. Que de l'or. Le suivant, c'est celui-là. Ah oh bah, si je mets un verre, peut-être pas le faire. Bon, voilà. C'est une tête de
Pas de. J'en sais rien, de tigre. Il y a marqué tigre, je crois, dessus. Enfin, bref, une tête de. De tigre, de lionne plutôt. Non, genre avec un petit truc pendant. Voilà. Avec des petits diamants. Mais j'ai vu ça. Ça. Ça s'ouvre. Allez, ça va pourquoi. Voilà. Un petit capuchon. Voilà. Et de la chaîne normale. Noir, en argent. Voilà. Un dessin au niveau de la poitrine. Voilà. Voilà pour cela. Il me reste encore deux colliers. Un cerf. Un vieux or. J'ai acheté la bague avec. Qui était trop petite d'ailleurs. On voit dans ma précédente vidéo. Voilà. Un cerf. Ça me fait penser à ceux qui sont derrière chez moi, les cerfs. Qui hurlent toute la nuit. Voilà. Enfin bref, une petite parenthèse. Voilà. En dessous de la poitrine. Voilà. Et le dernier. Alors, je démêle. Évidemment. Hop. Voilà. C'est celui-là. Il y a un cœur avec des plumes de paon. Parce que. Voilà. Ensuite, il y a une feuille en argent. Voilà. Un petit truc qui pendouille. Hein. Avec une clé en argent. Et ici, il y a un petit truc. Avec une couronne dessus. Voilà. Avec des plumes. Le truc avec des plumes de paon, j'ai des boucles d'oreilles en paon. Et ou sinon, j'ai une. Il y a des boucles d'oreilles avec carrément les plumes. Voilà. En dessous de la poitrine. Voilà. Et voilà, c'est fini. Tout ça, je l'ai pour 19,06€. Voilà. Même pas un mois d'attente. Bon, bah voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires. Pour savoir ce que vous avez aimé ou ce que vous avez détesté. Bon. Voilà. Moi, je veux pas de commentaires méchants en disant que c'est moche ou voilà quoi, parce que chacun ses goûts, chacun les goûts, les couleurs, voilà, on a chacun les nôtres. Donc je veux pas de ça. Voilà. Bon bah je vous fais des gros bisous et bonne journée. Bye.